Failure is never an option. Yo, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce du trailer du nouvel event qui va arriver sur la saison 4 de Apex Legends, à savoir les voix anciennes donc sur Blodand, comme je vous l'avais annoncé, donc on avait déjà vu donc dans une précédente vidéo qui sera en lien dans la description et à la fin de cette vidéo bien évidemment. On avait donc vu l'histoire de Blodand donc sur les terres sauvages donc par rapport à ça, et là donc on a le trailer de l'event avec donc toutes les récompenses et donc l'annonce du mode PVE qui va arriver, enfin qui sera présent en tout cas sur la map. Bref, je vous en dis pas plus, on regarde ça tout de suite. All machines fail, but the old ways preserve our philosophy. Modification de la carte, waouh, c'est magnifique. You will return as one of us, or return not at all. That will be your final test. Les crawlers. You will be the first. Ok. Blood Thunder. Oh, le skin magnifique. Wow. A victory I will be grateful for. When we meet, I will slaughter. Oh. Skin qui est magnifique. It is not my respect you must earn. Wow. Bon, ben voilà, donc on va avoir du lourd, en tout cas, ben, en tout cas, premier nouveau mode, donc mode PVE cette fois-ci, donc qui est annoncé donc dans l'arène de jugement, donc dans les épreuves de Blodand, justement. Voilà, donc comme vous l'avez donc pu le voir, donc on est au niveau de la zone de Skyhook, voilà, sur les espèces de montagnes qui servent de lieu de sniper principalement. Voilà, on a une petite espèce de maison qui fait penser donc à l'ancienne habitation donc de l'oncle de Blodand, justement Blood Thunder. Voilà, donc on a cette espèce de renfoncement dans la roche avec une espèce de porte, hein, voilà. Le lieu qui est juste magnifique. Oh, les corbeaux, ça fait très très nordique. Oh, c'est génial. Franchement, il y a pas à dire, c'est vraiment impressionnant, je dois dire. Donc on a des caisses, on aura des caisses de butin, on a même un hologramme donc d'un fusil à charge avec une espèce de charme accroché. Or return not at all. That will be your final test. Et donc là, le mode PVE, donc qu'on va devoir jouer. Donc on a ici des espèces de compartiments avec des munitions, des boucliers, des cellules de boucliers. Donc on aura des vagues de crawlers à affronter, justement. Très cool. Donc on sera en équipe à mon avis. Donc et apparemment, je pense qu'on pourra même se faire déranger pendant qu'on essaie de tryhard, donc, de tuer ces monstres, justement. À voir comment ils sont résistants. Et bien évidemment, du loot à la fin, donc on a un kit phoenix, un casque, une armure légendaire, un casque vieux, un casque violet, bref, bon voilà, il y aura du loot légendaire à débloquer, bien évidemment. Blood Thunder. Nice. Alors le skin par contre, magnifique, les détails sur le skin sont juste géniaux, les plumes, le carquois avec les flèches. Ah, le fusil à charge qui est l'arme de Blodand apparemment, enfin voilà, c'est... Enfin pour cet event en tout cas.
Voilà, donc là on a Skyhook donc qui est juste en contrebas, et donc ici on a donc la reine de Bloodhand, voilà qui est prévue à cet effet. Oh, ah, le redesign de la map qui est juste génial. Ah, c'est vraiment magnifique avec les corbeaux qui ont les yeux rouges, les espèces de peintures à la viking. Génial. Ok, donc on a donc des nouveaux skins également qui on pourra débloquer. Donc on a un skin pour Crypto, un pour Watson, un pour Gibraltar et un pour Wraith aussi. Voilà, Wraith avec son nouveau skin qui était déjà présent un peu. Enfin, voilà, le même style de skin qui était déjà présent au départ. Ok, donc et retour bien sûr. Alors donc on a donc le King's Canyon. Donc on aura un truc. Alors apparemment il nous montre le canyon des rois. Oh, Bloodhound avec le fusil donc on aura sûrement donc une nouvelle bannière pour Bloodhound en tout cas. Enfin, qui sera peut-être présente également sur King's Canyon, on verra. Donc le mode duo également qui revient. Ah ouais, donc en fait donc le mode duo qui revient à la fois donc sur le canyon des rois et sur bord du monde justement. Donc vous allez pouvoir choisir donc sur quelle map vous souhaitez jouer en mode duo selon votre affinité avec les maps. Voilà, si vous avez envie de si vous êtes plus à l'aise sur la map du canyon des rois, bah, vous pourrez jouer en mode duo si vous le souhaitez avec votre meilleur pote. Voilà, très intéressant. Ah. Et là, bien sûr, le nœud. Et là, un autre skin donc de Bloodhound. At my respect, you must earn, young one. Oh, il est magnifique, franchement, avec un aspect un peu toujours rapace, mais en forme de hibou, enfin, qui est vraiment génial. J'aime beaucoup. Hein, il est vraiment stylé. Le casque change. Enfin, c'est très différent de ce qu'on a d'habitude de Bloodhound, mais franchement, pour le coup, bien stylé. Donc le 7 avril, donc à savoir donc demain si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Donc demain, donc il y a le nouvel event qui va arriver. Je vous annonce déjà donc que je ferai un live sur PS4 pour l'occasion. Donc on va voir un peu en direct donc ce nouveau mode, enfin ce nouveau mode PvE, voilà donc sur la map bord de monde justement. On découvrira tout ça donc demain dans la soirée. Donc ce sera à partir de 20h30, 21h d'ici là. Donc n'hésitez pas donc à me rejoindre, donc à être présent au rendez-vous pour ce live. Donc ce sera donc demain. Bref, les gens, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas bien évidemment à me soutenir, à me mettre un petit pouce bleu, à laisser des commentaires, à partager évidemment, et bien et à comment et... à vous abonner si vous me rejoignez, bien évidemment. D'ici là-bas, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous dans cette période de confinement, toujours. On se dit à très bientôt. Ciao!